Gérard Corneloup, bibliothécaire de métier et de formation, historien par passion, c'est vrai, historien de Lyon, puis aussi journaliste dans le domaine de la culture, de l'histoire, du théâtre, enfin de la vie culturelle. Lyon a un atout, à la fois commercial, hygiénique, esthétique. C'est la seule ville au monde, île avec Pittsburgh aux États-Unis, qui possède un confluent de deux fleuves, de cours d'eau, dirons-nous, au centre-ville. Et ça, évidemment, à une époque où beaucoup de voyages, beaucoup de transferts, de transports se font par l'eau, hein, eh bien, c'est un atout de première grandeur. Donc l'importance de Lyon, elle est liée donc à ces deux cours d'eau qui amènent les produits ou qui les emmènent, qui amènent les voyageurs ou qui les emmènent. Mais aussi l'importance du nombre de ports. On a oublié qu'à Lyon était une ville de ports à l'époque. Et l'un était réputé, c'était le port au bois. Alors qu'est-ce que le port au bois? Ce port au bois était sur le Rhône, sur la rive gauche, essentiellement du Rhône, parce qu'on y amenait des pierres dans ce port au bois, à savoir que à Lyon, l'architecture a toujours eu une place très importante, et on le voit encore, hein, et on construisait beaucoup. On a d'abord construit avec la pierre du Beaujolais, hein, la pierre dorée en quelque sorte, qui est un calcaire, mais un peu friable. Et après, on s'est tourné vers une autre calcaire qui est beaucoup plus dense, qui est gris. Alors à Lyon, on aime bien, hein, parce que gris, hein, voilà, c'est pas trop brillant, justement. Cette pierre très importante, pour Lyon, c'est la pierre de Villebois. Villebois est un site qui existe toujours, qui est au bord du Rhône, donc, entre l'Ain et l'Isère. Donc, on a trouvé cette pierre, on l'a exploitée très tôt, à leur naissance déjà, surtout au 18e, au 19e et jusqu'en 1970. Hein. Donc, on l'utilisait encore. Donc, on la sortait de terre, on la taillait, ensuite on l'emmenait jusqu'au Rhône, et là, on avait mis ce qu'on appelait des plates. Les plates, ce sont des petits bateaux en bois qu'on avait amenés. On les plaçait là-dessus et ensuite on les descendait, avec le courant du Rhône, pas de problème majeur, hein, jusqu'à Lyon. Et à Lyon, il y avait le port au bois qui était juste avant le pont de la Guillotière, qui longtemps est le seul pont sur le Rhône à Lyon. Hein. Ce n'est qu'en 1780 et quelques qu'on va faire le pont Morand. Et là, on vendait cette pierre qui avait beaucoup de succès, mais il restait le bois. Et on a décidé de vendre le bois. Et on l'a vendu à qui? Eh bien, des gens qui habitaient par là. Et ça explique en particulier tous les magasins de bois, hein, qui sont sur le cours de la Liberté, pour ceux qui connaissent. Il y a beaucoup de magasins où on vend encore du mobilier, des meubles, enfin des objets en bois. C'est une trace. On a trouvé des traces, hein, dans l'archéologie. On trouve des gens avant l'arrivée des... C'était encore les Gaulois, on va dire. Mais c'est vrai que les Italiens, ça a été une voie importante avec... Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la France, Lyon est une ville frontière entre le Royaume de France et puis le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, mais aussi le nord de l'Italie. Hein, Lyon, voilà encore, sa situation est très importante pour ça. On y passe, l'armée y passe. Hein, quand on part aux croisades de Paris, par exemple, eh bien, on passe forcément par Lyon. Et puis après, on descend, on s'embarque. Bon. Donc, Lyon, c'est Saint-Jean. C'est ce qu'on appelle les vieux quartiers, c'est-à-dire Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Georges. Et c'est vrai que l'histoire romaine commence là-bas, avec le théâtre antique, avec le temple, avec et une vue superbe, évidemment. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, autant sur ces sites, il y a, c'est du solide, c'est du dur. Sur la Presqu'île, c'est déjà un peu... Ben, il y a l'eau, hein, donc il y a les inondations, qui ont toujours été un gros problème pour Lyon. Et il y a encore des plaques Nos ancêtres vivaient en gros 2 mètres en dessous de nous, hein, quelque chose près, quoi. Hein. Donc on a beaucoup comblé pour éviter que ces crues ne fassent des dégâts. Ça, c'est un élément important. La Presqu'île, donc, c'était... Et alors, sur la rive gauche du Rhône, alors là, c'était la Papouasie orientale. Hein. C'était vraiment... c'était ce qu'on appelait des brotteaux, avec un solté, hein, qui étaient donc des sortes de petits cours d'eau du Rhône. Le Rhône, il changeait, hein, selon que... Il changeait de lit, en quelque sorte. C'était un lit, une multitude de lits. Et donc là, il était très difficile de vivre. Oublier aussi qu'il y a 3 quartiers que nous connaissons bien, nous, c'est-à-dire la rive gauche du Rhône, la Guillotière, c'est-à-dire Vaise, hein, et puis c'est-à-dire la Croix-Rousse, qui ne sont France, qui ne sont Lyon que depuis 1852. Auparavant, ce n'était pas la commune de Lyon, c'était des communes indépendantes depuis la Révolution. Ça aussi, c'est important. Hein, ils ont absorbé ces 3 communes. Alors ça posait aussi des problèmes parce que quand il y avait des bandits un peu qui attaquaient dans Lyon les commerces, ensuite ils passaient le Rhône et là ils étaient plus tranquilles parce que la police de la Guillotière, c'était quelques têtes, alors que la police de Lyon, elle était costaude. Donc il y a aussi tout ce problème, vous voyez, de relations un peu entre la Presqu'île et puis le reste.